Salut à tous, on se lance dans le Let's Play de Obscur 2. Donc j'ai déjà fait le premier sur ma chaîne, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller le voir. J'ai fait le test d'Obscur 1 la semaine dernière justement pour une sorte de faire d'apéritif avant de lancer ce nouveau Let's Play, histoire de vous remémorer un petit peu l'ambiance du premier jeu. Donc c'est parti, épisode 1. Je vous laisse lire, hein. Il y a 2 ans j'étais étudiant à Livermore Heights, une école ancienne et respectée dirigée par les frères Friedman. Leonard et Herbert, des jumeaux qui s'étaient spécialisés dans la botanique expérimentale. La vie était belle et je me souviens de tellement de beaux moments avec mes amis Ashley, Josh, Kenny et Shannon. Jusqu'au moment où Herbert Friedman a décidé d'utiliser les étudiants comme cobayes pour une expérience qui devait sauver son frère Leonard, alors gravement malade. Nous avons tous été contaminés par des spores mutantes que Friedman répandait dans l'air. Pour survivre, il a fallu qu'on tue nos professeurs. Après cette nuit, je fais de tas de bêtises et j'ai fini en prison. Mais j'ai purgé ma peine sans protester. Maintenant, je suis libre et je veux juste oublier Livermore et tout ce qui s'y est passé. Ambiance American Pie, hein, évidemment. Ambiance école, la musique, du rock. Hydravision Game, qui n'existe plus un de nos jours. Qui a changé de nom, je crois. Enfin, les anciens salariés sont dans un... Encore. Est-ce que le nouveau existe? Je ne sais pas. Obscur 2. We have to get a move on, May. We're gonna miss the drinks, it's Vens. Okay, I'm coming with you. Donc je vais pas vous lire à chaque fois les sous-titres, hein, faut pas déconner. Donc déjà le jeu n'est plus en français comme dans le premier jeu, alors que ça reste un studio français, hein, donc ils l'ont un petit peu internationalonné, est-ce que ça se dit ça? Ils l'ont rendu à l'international. Donc anglais sous-titré FR, c'est dommage, moi j'aimais bien les trad, enfin j'aime bien les doublages français en général. Je trouve qu'on est plutôt bon en France de ce côté-là. Geronimo! On vient assez universitaire, là c'est les fraternités et compagnie. Moi, j'adore cette ambiance dans les séries, dans les films. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, mais les jeux obscurs en font partie. Donc oui, graphiquement, on est sur PC, hein, donc c'est vraiment joli. Donc j'ai foutu les trucs au taquet, évidemment. Ah, les cinématiques. Avec notre ami Sven, le viking. Donc je vous laisse lire. Ça dégage les bons, je vais quand même lire. Allez. Je suis pas comme ça. Waouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça fait un mois que tout le campus fait du thé avec cette fleur. Il est temps qu'on essaie. Aïe, 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 la fleur. Salut les voisins, l'ami Kenny du premier obscur. Kenny, qu'est-ce que tu fais là? Génial, ma sœur. Shannon, viens par ici tout de suite. On se voit à la fête, drôle de famille. Croyez qu'on vous laissera entrer à la soirée Delta Theta Gamma? C'est plutôt select, non? Si vous êtes avec moi, c'est sans problème. Il me fait penser au chanteur de Sum 41, lui. Sachant que dans, je crois que dans le premier jeu, la musique d'intro, c'était Sum, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? C'est nouveau très sombre, hein, comme dans le premier. Il y a toujours des passages où on verra que dalle à l'écran. Enfin, que dalle, façon de parler. Hein. De Bat. Qu'est-ce qui se passe? May. Mais tout ça, c'est des nouveaux persos. Hein. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à incorporer des nouveaux personnages par rapport au premier jeu, et ceux du premier reviennent. De toute façon, vous les verrez au fur et à mesure. Hein. Moi, j'avais adoré Shannon, hein, dans le premier. Shannon va apparaître un peu plus tard. Donc je sais pas si on la verra dans cet épisode 1. Je pense qu'on la verra tout à la fin. Si je me rappelle bien, à partir du moment où elle apparaît. Donc là, vous l'avez vu vraiment succinctement en passant récupérer Kenny, donc son frère. Donc là, ça fait penser un petit peu au premier. Vous voyez, on descend là dans des... On peut pas vraiment dire souterrain, mais ça y ressemble. Et on va avancer comme ça. Un peu comme avec Kenny dans le premier jeu. Donc là, ça la fait un petit peu à la Silent Hill. Je pense que ceux qui connaissent ce type d'ambiance vont adorer. Je laisse un peu apprécier l'ambiance. Hein. Je vais pas trop parler là. Ils disparaissent. On va rapidement se rendre compte que ce n'est qu'un rêve. C'est un petit peu logique. Hein. Le désir, Sven, ils le veulent tous. On veut tous te sauter.
Désolé pour les plus jeunes. Il y a un petit côté The Evil Weezing là aussi, où tu comprends rien ce qui se passe. Et là, la fleur. Je suis comblé le plaisir d'éployer ses pétales en moi. Voilà, les monstres les plus chiants du premier obscur. Ils sont de retour dans ce jeu-là. Donc là, il faut crever. Hein. Je pense qu'il y a rien à faire. Il n'y a pas moyen de les buter. En tout cas, je pense pas. Ouais, il y a l'autre personnage qui va finir par crever bien avant. Et là, on se réveille dans les chiottes, en train de gerber. De toute façon, là, les plantes, le problème, c'est que ces personnages-là n'étaient pas là dans le premier obscur, donc ils sniffent la plante, en fait. Ils se rendent pas compte que... Voilà, qu'il y avait un effet de bord. Hein. The Night. Donc on va se rendre à la fête de la fraternité, là. Gamma, Theta, machin, là. Ça me fait toujours penser à la série Greek, je sais pas ceux qui l'avaient vu à l'époque. Série sympa, hein. Bon, je crois un peu pour gonzer sur les bords, série pour ados au final. Hein. Où tu suis un petit peu les fraternités dans les... À l'université en fait, t'as les fraternités qui sont un peu la guerre. Donc les gonzesses bien habillées, bien canon, un peu coincées du cul. Les mecs gentlemen, et puis les mecs qui sont juste là pour faire la fête, hein, qui sont toujours là, toujours bourrés, ils sont dans leur... Dans leur maison qui est dégueulasse, c'est le bordel sans nom, mais franchement j'avais kiffé cette série. J'avais regardé il n'y a pas longtemps, c'est moyen de la récupérer en DVD ou Blu-ray, mais j'ai pas trouvé, donc je ne pense pas. Si elle n'existe pas maintenant, elle n'existera jamais hein, malheureusement. Et pour la re-télécharger, je pense que ça doit être coton. Mais je vous la conseille, un Greek, G-R-E-E-K, donc 2-E-K. Alors je sais plus où il faut aller là. Le mec est en PLS, hein, suite à avoir sniffé sa merde, là. Donc c'est par là. Donc je sais pas combien il y aura d'épisodes, donc c'est un petit peu la route vers Halloween. Hein. Vous aurez que ça, je ferai pas de test, je pense, jusqu'à Halloween, j'en doute. Ça va beaucoup mieux avec la petite boisson énergisante. Donc là, tout est bouché. Ah, les papiers cuits aux chiottes. Mais l'ambiance c'est génial hein, pour un survival horror, l'université, tout ça. Bon, vous verrez que ce jeu-là est beaucoup plus typé action par rapport au premier. Le premier, on avait quand même de l'exploration, on était dans un lieu et puis on tournait un petit peu autour des différents quartiers, on va dire, de l'école, entre l'université, le réfectoire, la bibliothèque, les salles de classe, les longs couloirs avec les casiers, comme on voit souvent aux États-Unis. Perdu ma copine, ok. Donc là, il nous montre qu'il y a pas mal de personnes qui sont portées disparues. Hop, petit rototo, un début de hockey comme d'hab. Hein. J'ai pas encore baillé pour une fois. J'espère que May va bien. Regardez ça, c'est pas mal. Va te faire foutre, pauvre con. Excellent, mais il fallait faire ce type de conneries là. Gonzesse qui revenait des douches, là, en petite serviette. Et toi qui voulais suivre, dégage. Oh, ma tête. Tiens, vois ça marche pour moi. Déjà en retard pour la soirée Theta. Delta Theta Gamma. Ta soeur vient avec nous. Laisse-la dormir, elle est épuisée. Là, je crois que voilà. Donc là, on se retrouve avec Kenny. On va changer de personnage. On aura toujours des binômes comme ça dans le jeu. Donc on se rend à la fête. Ça j'adorais à l'époque. Hein. Ça m'avait fait penser à un Hellraiser, donc je sais plus si c'est le 7, 6 ou 7, voire le 8, je sais plus. Qui se passe pendant une fête comme ça où les pinèdes. Je me fais juste pour la blague là. Si t'as soif, j'ai pissé dans un coin. Ah, j'aime bien, il y a une petite touche d'humour. Mais moi, j'aime bien cet humour à la con, hein, même si je commence à me faire vieux, hein, un tout petit peu plus de 30 ans maintenant. J'adore ce type d'ambiance. Je sais pas, moi, ça me fait kiffer, les fraternités, les gamins qui sont un peu teubés sur les bords. Cross de hockey, déjà là, tu vois que tu commences à récupérer des armes, tu sais qu'il va se passer quelque chose de grave. Le videur va changer d'avis. On pourrait aller le frapper, mais non, on va essayer de passer par le toit, par le balcon. Je trouve que le jeu est quand même beaucoup plus beau que le premier. Il date de 2007, si je dis pas de conneries.
2006-2007 par là. C'est bizarre qu'il soit pas sorti sur PS3. On a qu'une version PS2. Sur les consoles de Sony, hein, après. Je pense qu'il est sorti sur Xbox également et sur PC. Hein. Donc je tourne ouais sur PC, hein, je pense que je sais même plus si je vous l'ai dit, je perds la boule les gars. Hein, donc voilà, je pense que je vais mettre ma thèse de faculty prochainement, parce que ce jeu me fait vraiment penser à ce film. Je vous conseille évidemment, hein, c'est top. Bah, j'en parlerai peut-être un peu plus lorsque je l'aurai vu. Si je le vois, enfin c'est pas dit que je le vois pendant que je fais ce let's play. Hein. En tout cas, j'ai revu l'Armée des Morts il y a deux jours maintenant, j'ai acheté le Blu-ray. Pareil, là, je veux pas dire que c'est l'un de mes films cultes, mais c'est un film que j'adorais. Début 2000, je crois, 2000-2001. Ou alors il était sorti plus tard, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, il a ce côté très vieillot d'époque. Et attendez, je vais essayer de voir quand est-ce qu'il est sorti exactement. L'Armée des Morts. Ah, c'est 2004, mine de rien. Il est sorti quand même assez tard. Pourtant, il a cet effet vieillot des films à l'ancienne. Donc, c'était un petit peu un remake du film Zombie de George A. Romero qui date des années 70, fin 70. Et là, les plantes commencent à se répandre et vont contaminer un petit peu tout le monde. Donc, ça commence à crier. Donc, des gens se sont amusés. Ok, club de golf. Alors, attendez, comment ? Dans celui-là, il y a un big inventaire. Ok, donc faut que je récupère ça et que je lui mette. Voilà. Donc, ami. La bonne vieille amie. C'est un jeu de fléchettes cool, il y a quand même mieux à faire. Donc, Kenny qui était prisonnier dans le premier obscur, je vous le rappelle. 1873. 1873. Tu as peur? Bien sûr que j'ai peur. Donc on va jouer un peu avec Kenny. Hein. C'est un petit peu le beau gosse, le costaud de service. Allez, je suis blessé, ils ont tué mon copain. On s'en fout. On va passer par là. Vous baie vitrée, hein, comme dans le premier jeu. Et c'est ici qu'on va pouvoir taper le code pour récupérer le premier pistolet. Hop. Voilà, ça me plaît. Ensuite, on va sauvegarder. Je vais vous montrer le système de sauvegarde. Dans le premier jeu, on pouvait sauvegarder grâce au disque. On pouvait sauvegarder où on voulait tant qu'on avait un disque dans l'inventaire. Bah là, il faut toucher les plantes, en fait. Et le problème, c'est que dès que tu sauvegardes une fois, bah, la plante disparaît. Tu pourras pas re-sauvegarder au même endroit. J'ai trouvé ce système un peu dérangeant pour ma part dans le jeu. Allez, toucher. Vous pouvez en toucher. Voilà. Les deux tombent dans les pommes. Et on va pouvoir sauvegarder ici. Donc, on va essayer de ne pas faire de conneries avec mon autre sauvegarde. Voilà, on va la mettre dans la fin de 3. Sauvegarde réussie. Ça m'a explosé le cerveau. On va prendre l'arme parce qu'on aura une sorte de micro-boss là juste derrière. Allez. Donc j'espère que ça vous plaît, hein, regardez-moi ce gros tas de merde, ce let's play. Vous me l'avez demandé à l'époque, j'ai mis le temps, mais j'ai toujours voulu le faire. Hein. J'ai toujours pensé à ce Obscur 2 dans un coin de ma tête et je savais que je le referais. Donc si je vais choisir entre le 1 et le 2, je pense que je choisirais quand même le 1. Comme je vous l'ai dit, le 1... C'était plus typé manoir à la Resident Evil, vous voyez, vous baladiez un petit peu où vous voulez. Celui-là, pas tant que ça, c'est plus un jeu d'action où tu vas faire que d'avancer, tu vas switcher de personnage régulièrement, même s'il y aura également les hubs, comme dans le premier jeu. Donc les hubs, je le rappelle, c'est là où on pourra changer de personnage en fait. Chaque personnage ici aura ses propres caractéristiques. Donc tu pourras pas faire n'importe quoi. Hein. Certains personnages sont obligatoires pour continuer d'avancer, parce qu'il y en a qui ont la force, il y en a qui ont le pouvoir d'absorber l'espèce de ténèbres. Il y en a qui ont le pouvoir de crocheter les portes. Oui, il y aura pas mal de choses à faire. Il faudra réfléchir. Des fois, tu sais même pas que tu peux déverrouiller une porte. Il te le dit pas forcément. Donc, il faudra revenir avec le personnage qui a la capacité de le faire. Pardon. Donc là, je crois que c'est assez dégueulasse ici. Il y en a un qui s'est bien fait bouffer.
Ça c'est dingue. Hop, on récupère les munitions. Je crois qu'il y a un dot à récupérer, donc on va... Quelque chose qui bloque derrière la porte, ok. Donc là, c'est la porte d'entrée, hein, là où le gars nous a dit d'aller pisser. Donc c'est vraiment la désolation, hein, dans cette baraque. Il y a tout qui se casse, tout qui fout le camp. J'essaye de prendre la porte en fait, hein. J'essaie pas de ramasser les chaises. Ah oui, donc là il y a l'espèce de bibliothèque, il faut reformer un truc au sol, donc je ne sais plus ce qu'il faut reformer et je crois que j'ai jamais rien compris à cette énigme, j'ai toujours réussi à la faire, parce qu'il faut écouter les bruits qu'il y a au sol je crois. Ouais, il y a des saloperies qui arrivent assez vite. Voilà, c'est chose faite. May and June told me about this brotherhood. It's been around for 200 years. All the members are supposed to help each other, like a family of sorts. And they're très sélectif, ouais. Well, I won't be joining anytime soon. I'd rather die. Plutôt mourir, même. Je crois que c'est ça, hein, non? Mais là, on n'entend pas de bruit. Oh, écoute, on va le laisser là. Et celui-là, on va le pousser au fond. Je crois que c'est ça, la résolution de l'énigme. Ah, voilà. Ne me demandez pas pourquoi c'est ça, je ne sais pas. Oh, la musique, j'adore. J'adore cette musique d'ambiance. Pourquoi ils n'ont pas fait d'Obscure 3? Pourquoi? Ça aurait été tellement bien, quoi. Sauf qu'il n'y a même pas de... Enfin, vous le verrez, il n'y a pas un moment de fin dans le jeu-là. Enfin, il y a une fin, mais... Elle est assez chelou. Hop, et là, je crois qu'on va... Voilà, on va switcher de perso. Donc, le professeur. Je vous laisse apprécier, je vous laisse lire également. Look out! Et ensuite, le problème c'est que là, vous voyez, on revient dans la confrérie avec d'autres personnages. Why do we always have to go by car? We could have walked. And it wasn't even that. Il frime avec sa voiture, tout simplement. I just don't get your infatuation with that thing. That car's pri- Well, they seem to have had a good time. Maybe too good a time. That's not right. Ah! What are those things? Il y a des cadavres, mais les gens ils vont quand même. Moi je vois ça, je prends ma caisse, je me barre. Je me barre autoroute, je change de pays, je change de planète, voilà, je me barre. Je vais pas y aller et commencer à. Putain, est-ce qu'on peut. Ah, c'est vrai qu'on peut sauvegarder ici, donc on va le faire. Le jeu est un peu plus long que le premier aussi. Je crois que le premier, on avait fait 4 épisodes avec des durées assez variables. Donc des fois, je crois qu'on avait du 50 minutes, des fois du 30 minutes. Donc là, bah, ça dépendra des points de sauvegarde, hein, donc je pourrais pas vous dire. On va essayer de tenter le premier épisode entre 40 et 50 minutes, grand max. Et si à 40 minutes, j'ai un point de sauvegarde, bah go, quoi, tu sauvegardes, quoi, tu te prends pas la tête. Are you getting anywhere? Donc là, il faut trouver en fait des gens connus. Je sais que c'est. Comment ça marche? Je sais que c'est Mozart là. Z. Ensuite, A. Et RT. Bon, je crois que quand tu fais des trucs au pif comme ça, quand tu places bien les lettres, ils te les gardent. Donc ça t'aide à trouver le bon mot. Il y a des espèces de ténèbres plantes là qui apparaissent. Je n'aime pas du tout ça, Corey. Écoutez cette ambiance. Génial. Le changement là de caméra avec le bruit, génial. Franchement, j'adore. Alors il y avait une porte voilà qu'on pouvait crocheter. Ah, donc là il fallait mettre 3 petites clés. Non, je raconte n'importe quoi. Alors, ici. Alors, je ne sais plus. Attendez.
Réfléchis, hein. Picasso. Je pense que c'est ça. Ouais, ça va être Picasso, il y a deux S. Ok. Ouais, quand t'es un gamin. Bon, en même temps, quand t'es un gamin indigent, tu joues pas forcément à des survival horror. Alors, je sais plus tout ce qu'il y a derrière cette porte. Oui, bah c'est déverrouillé, et alors? D'accord. Donc je pense que ce sera pour l'inventaire. Voilà, trousse de soins, des munitions. Voilà, donc ça c'est cool. Donc ça c'est pour recharger. Recharger les armes électriques. Donc on en aura un peu plus tard dans le jeu, donc, dont une tronçonneuse d'ailleurs. Ce sera assez cool à utiliser. Allez, on va retourner en bas. Et on va voir ce qui nous attend. Donc là, voilà, je pense qu'on est quoi, une vingtaine de minutes. On va encore faire ça x2. On va essayer en tout cas et puis on s'arrêtera là pour le premier épisode. Comme je vous l'ai dit, je le fais en parallèle. Donc dans la logique, je vais me rappeler du jeu. Voilà, c'est un peu chiant parce qu'on reprend les mêmes passages que les deux autres personnages. C'est un peu répétitif, je trouve. Même si on devra quand même changer de chemin de temps en temps. Ah, c'est vrai qu'ils ont pété les escaliers. Donc lui, il a le pouvoir de s'accrocher un peu partout. C'est un petit peu le Tarzan, l'équilibriste. Voilà. Heureusement. Il y a toi, je crois qu'il va monter. Ouais, il crève assez vite, hein, vous voyez. J'ai envie de venir. Donc vous voyez, il y a une espèce de cœur là qui apparaît, qui bat. Donc ça, on va apprendre ce que c'est un peu plus tard. On verra que ça va servir à quelque chose. Et là, on va rejoindre les deux autres personnages. Ah non, il y a encore des pièces entre, il me semble. Au moins une, voilà. Ah, le bruitage peut faire un peu flipper. Hein. Alors, je sais pas s'il y a des trucs à récupérer ici, on va regarder ça. Si vous avez des bons films d'horreur comme ça conseillés, n'hésitez pas. Hein. Par contre, tout ce qui est genre Insidious, les conneries là, moi ça m'intéresse pas, hein. J'aime pas tellement. Ouais, L'Armée des Morts, j'aime bien, The Faculty, j'aime bien. Ouais, ce genre d'horreur là. Hein. How are you? Are you okay? Et Halloween vendredi 13, c'est tellement devenu cucu, même si l'an dernier j'avais regardé Halloween 4 pour Halloween justement. Je vous laisse écouter, désolé. I teach biology on campus and I mentor the Delta Theta Gamma Brotherhood. What are these things? For now all I can say is that it is or once was human. The organs are all still there. There are these purple marks all over it. This is Matt. I recognize his tattoo, but we saw him not that long ago. He was fine. It's that flower that's done this. Flower? That one we smelled. Given the nightmares I've had, I'm inclined to agree. Students remain as they are, quite oblivious of certain biological law. We took an energy drink to fight off a headache. Maybe that counters whatever it is that makes you go crazy. Hell, I don't know. I haven't felt anything. I'm going to do some tests on this flower and this student. You'll find an exit if you go through the dance hall. Good luck. Faut penser un peu à John Locke, le prof là, de Lost. Terry Hawkins, de son nom d'acteur. Donc là, je crois qu'on peut encore sauvegarder quelque part. On peut pas. Donc on va prendre Kenny avec nous. Donc voilà, ouais, le fameux hub, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, où tous les personnages seront réunis. Je vous laisse quand même lire un peu. Là, il se place automatiquement sur le troisième, donc ça c'est cool. Moi je risque pas de faire une connerie. Donc ça fait qu'au final je vais le finir trois fois ce jeu là, une fois à l'époque, là au premier jet et là pour les vidéos. C'est cool hein, les jeux comme ça, j'ai envie de leur donner de la place sur la chaîne. Les jeux, on va pas dire qu'ils sont méconnus parce qu'ils sont devenus un peu plus populaires avec le temps.
Mais des jeux comme ça, j'ai envie qu'on en parle, parce que j'aimerais bien qu'il y en ait plus, et j'aimerais bien une suite, hein, tout simplement, une vraie suite à ce jeu-là, ce serait vraiment top. J'adorerais en fait me relancer dans une histoire comme ça. Look at this mess. The party must have been here. Only it turned into a slaughterhouse la boucherie. Real fast. Ces espèces de sons de voix de chorale là, qui apparaissent comme ça d'un coup, je trouve ça monstrueux. Hein. C'est fou. Et ils ont réussi à créer une atmosphère autour des jeux obscurs que je trouve vraiment excellente. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la meilleure. Hein. Resident Evil reste au-dessus. Silent Hill, c'est monstrueux aussi. Ouais, mais je trouve ça supérieur à un Parasite F par exemple. Donc là, vous allez me demander quand est-ce que je fais le let's play de Parasite F 2. Je vais vous répondre, je ne sais pas. Mais c'est pas. Je suis pas fermé à la question. Loin de là. Mais le premier Parasite F était un peu chelou. Je l'avais fait pendant le confinement, j'avais du temps. Comme vous l'a dit le mec, hein, ça sera pour créer un sérum. Donc le sérum, ça va juste vous redonner de l'énergie, hein, de mémoire. Et je crois que dans la première partie, j'avais plus passé mon temps à les stocker. Alors qu'au final, pour le... Bah, je vais pas vous spoiler. Ça n'a pas d'intérêt. Mais n'hésitez pas à les utiliser, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Hop. Donc là, faut encore utiliser l'autre qui grimpe partout. Corée. Nous sommes 41. 51, non? Oui, 51. Je sais plus. En 41. Je me rappelle même plus comment s'appelle le groupe de musique, bordel. Je crois que c'est 41. 41. Ouais, c'est... Mais pour moi, le personnage de Corée a vraiment la même tête. Hein. Même s'il était plutôt teint en blond. Mais à un moment, il avait les cheveux noirs. Faudra voir si en 2007, il avait pas les cheveux noirs, mais... C'est obligé que ce soit lié, c'est obligé, les gars. C'est pas possible qu'ils l'ont fait ressembler comme ça par hasard. Donc voilà, j'ai pu tâcher les ténèbres avec la lumière. Et on va pouvoir se barrer. Heureusement que je l'ai vu, hein, cette fleur. Je vais éternuer. Excusez-moi. Bon, on va aller se barrer d'ici. On est de retour devant. Hein. Et on va quitter cet environnement. On va aller dans la forêt maintenant. Hey, your party sucks, dude. C'est la voiture à l'autre. Hey, you'll never catch my it. Car's not far from here. Come back, you retard. Hey, answer me, I'm begging you. Damn. What is it, June? Some really weird things are happening in the halls. Everyone's gone mad. I'm too scared to leave my room. Stay where you are. Hide wherever you can. Just like when we were kids, okay? I'm coming. Kenny! What on earth is happening? We're going to get my sister. Kenny, get over here. We need you. I can't. I ran out of medicine and I need it badly. I'm starting to feel awful. I need to go to the hospital. Ah, les personnages donc des anciens, enfin du premier obscur, ont besoin de médicaments en fait pour ne pas se transformer. Et comme là Kenny en a plus, ben, on va se séparer, il va se rendre à l'hôpital, donc l'hôpital qui sera également un environnement jouable. Donc, juste après ce passage-là, si je ne m'abuse. Donc lui, on va lui mettre le pistolet. Anyway, we really need my shotgun right now. Okay then, I'll follow you. Quand il a dit fusil, je pensais qu'il allait y avoir un jeu de mots à la con, mais ils ont pas osé. Allez, on trace.
this jerk knocked down the crash barrier. Donc là il faut se dépêcher, il y a un gros tas de merde qui arrive là-bas. On va l'esquiver en passant sur la droite. Donc je pense que je passe à côté de pas mal d'objets dans l'inventaire, mais je préfère ça plutôt que d'utiliser mes munitions. Donc la coéquipière se fait toucher, il faut juste se dépêcher. Ah merde, là je reviens en arrière. Allez, dépêche-toi. Faut aller vers là-bas. Mon bébé, il a bousillé mon bébé. Tout ça pour sa bagnole. Bah, exagère un petit peu, je pense qu'il a un peu raison, quoi. Bagnole, je sais pas combien, elle est explosée. L'autre, tu exagères un petit peu. Trou nuque. C'est bizarre de voir ça dans un jeu vidéo, le mot trou nuque. Cette espèce de bélier, là. Non, j'ai le temps de le buter avant qu'il arrive. Résistant le bâtard. C'est pas grave, j'ai assez de munitions. Profitons-en. Voilà, hop. Juste s'il n'y a pas des objets ou autres à récupérer, hein, sait-on jamais. Tout est bon à prendre dans le jeu là. Il y a ce qu'il faut au niveau munitions, mais il faut pas en abuser. Des fois, il faut ressortir les bats, vous voyez, ce genre de choses pour avancer. Pareil, ce sera pour les armes électriques, ça. On va récupérer la tronçonneuse. Donc là-bas, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'elle est chargée à bloc? Non. On la charge au taquet. Et... on la recharge, faut pas hésiter même si on revient un peu en arrière. C'est bon à prendre ça. Et on va un petit peu comprendre d'où viennent les disparitions que... Bah, voilà, on va reparler de disparitions d'ailleurs. C'est Ami qui doit le lire pour le déchiffrer. Il se passe quelque chose, des gens disparaissent, des gens sont kidnappés. Le rôdeur de la forêt de Fall Creek encore frappé. Là, il y a un petit côté Vendredi 13, je trouve. J'ai pas spécialement aimé cette histoire annexe au jeu. Mais bon, je trouvais que c'était un petit peu facile. Cette forêt me fait flipper. Bah, tu m'étonnes avec le brouillard qu'il y a, tu vois pas 2 mètres. Ça mène... Ah oui, sur le pont. Donc, on arrive vers la voiture. On récupère le fusil à pompe. Mais ça va pas être chose aisée, comme vous vous en doutez. Non, mais là, franchement, c'est cool. Le jeu est vraiment top. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez encore envie de jouer à un jeu comme ça en 2021, mais moi, je le trouve vraiment excellent. Je trouve l'ambiance qui est... Je vais me répéter, hein, mais je vais me répéter tout le long du let's play, mais... L'ambiance, les gars, l'ambiance. C'est ça ce qui manque dans les jeux de nos jours. Les survival horror, ils se ressemblent tous. Là, il y a un petit côté... je sais pas... Comme j'ai dit, je suis sensible à ce type d'ambiance. Donc, teenager, machin. Ce sera pas forcément le cas de tout le monde. La plupart diront, putain, mais j'ai envie de les buter, ces étudiants de merde. Moi, non, je kiffe. Franchement, je kiffe. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous aurez ce let's play jusqu'à Halloween. Halloween, vous aurez le test de Halloween. Je vais pas vous dire quel jeu c'est, mais il faut que je le fasse. J'ai un petit peu commencé. Ce sera pas Scooby-Doo, hein, je vous le dis tout de suite, ni Medieval 2. Parce que celui-là, on l'a déjà demandé plus d'une fois, mais il arrivera un jour. Bah tiens, on peut se regarder ici. Medieval 2 arrivera, il n'y a pas de problème. J'étais à la base parti pour un autre Scooby-Doo, puisqu'il avait bien marché l'an dernier. Mais voilà... Je me dis, quitte à faire un Scooby-Doo, je peux le faire n'importe quand dans l'année, hein, même si ça peut être typé Halloween. Comme l'an dernier, je vous avais fait le Medieval Remake. C'était vraiment top, hein, j'avais bien aimé. Cinématique. Donc, l'explication du pourquoi, du comment. Hey Corey. What is that?
Huh? What the? Oh, toutes les balles qu'il faut pour l'habiter. Ouais, c'est un petit peu ça, le monstre qui fait disparaître les gens, bah, il les bute, hein, pour faire simple. Donc nous, on s'en fout. Donc on, pour aller vers la gauche, c'est pour récupérer un petit peu de batterie pour la tronçonneuse, mais on va pas y aller, parce que je crois qu'il y aura des ennemis en plus. Donc on va conserver au maximum nos munitions. Et là, on va arriver à l'hôpital. Je crois qu'on va encore switcher de... Non, on switche pas de personnage. Voilà, on va finir là-dessus, on va rentrer dans l'hôpital, et puis bah, on se dira rendez-vous pour l'épisode 2. J'espère vraiment que ça vous plaît. Hein. Je le fais quand même pour vous, comme vous l'avez pas mal réclamé ce jeu-là, même si comme je vous l'ai dit, je l'avais dans un coin de ma tête, donc mais j'aurais peut-être pas spécialement fait là pour Halloween. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de faire une petite pause niveau jeu vidéo. Enfin, de jouer pour moi, si vous voulez, sans penser forcément à la chaîne. Donc je vais pouvoir... en même temps, il faut que je tourne le let's play, donc je vais pas forcément faire une pause non plus. Tac. Surtout que j'aurais bien aimé avancer, faire des tests, mais prendre un peu d'avance sans être toujours ric-rac de semaine en semaine. Tant mieux si ça marchait. Je crois qu'il faut, ouais, il faut grimper ici. De toute façon, on reparlera tout ça tout le long du let's play, ne vous en faites pas. Quand je dis une petite pause, ça ne veut pas dire que je vais arrêter la chaîne, hein, loin de là. Il y a encore des choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Musique. Musique de fou furieux, les gars. Là, je sais pas comment on fait pour passer sans se faire toucher. Je pense qu'il faut se laisser tomber à nouveau, buter tous les ennemis et remonter derrière. Bon, j'ai trop la flemme. Voilà, ils sont tous morts. Donc là, il faut aussi aider Ami à monter. Donc je crois que c'est par là. Il veut pas se laisser tomber. Peut-être par ici. Voilà, descendre. Et on va l'aider à grimper. Faut déverrouiller la porte d'abord. Voilà. Tac. Come on, Blondie, what are you waiting for? An invitation? Continue like that. Ça se trouve, on pouvait passer par là dès le début. Hein. J'en sais rien en fait. Il faut la faire monter nous-mêmes là-dessus. Pour là, ici. En fait, je sais même pas si c'est obligatoire. Peut-être que j'aurais pu passer par la porte et par la fenêtre et m'arrêter là. Hello? Hello? Somebody hear me? Hello? Fall Creek here. We need help. Please. Some people died. Answer! May? Corey, where are you? I'm at the hospital with Amy. My car. It's dead. I'm worried about you, Corey. I know. I'm sorry, honey. I've been an idiot. Corey, it's June. I'm gonna look for her at the dorm with Sven. Hey, dude. Good news. June's car is still here. As soon as we get the keys, I'll bring the twins back, I promise. And by the way, you'd better take care of my blonde girl, okay? Don't worry. We're gonna stay here a while. It seems peaceful. Be safe, okay? You know me. I love you, Corey. Oh, des Kenny à l'hôpital. Je trouve pas les médicaments. Go on. Work. Just once.
On retrouve nos potes du premier jeu. I'm so sorry, I couldn't find the pills. Donc c'est Shannon. Donc moi je vous laisse là. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 1. On va juste trouver le point de sauvegarde et puis go. Hein. Je vous retrouve très vite pour l'épisode 2. Bon, à la semaine prochaine, logiquement. Portez-vous bien, foutez-moi le camp. Ciao tout le monde. June? They're just behind the door.